27 novembre 1940. Dans le Chinatown de San Francisco, un petit garçon vint au monde. Si pour beaucoup ce fut une naissance comme les autres, ils se trompèrent. Ils se trouvèrent face à celui qui deviendra une légende du cinéma asiatique, maître exceptionnel en arts martiaux, le petit dragon aîné. Mais avant que Bruce Lee devienne l'étoile sacrée venant de Chine, il a parcouru un long chemin. Je voudrais vous parler du petit con bagarreur qu'il était et chef de son propre gang. Quand Bruce Lee était gamin, Hong Kong subissait d'énormes manques en termes de travail. L'éducation n'était pas une priorité, l'argent pour vivre, oui. Ce qui ne laissait pas le choix aux habitants ignorants et sans aucune ressource qui erraient dans les rues délabrées de la ville. Certains formèrent des gangs qui s'accaparèrent des territoires distinctifs pour en prendre le contrôle et égard à ceux de l'extérieur voulant y pénétrer. Bruce expliqua le problème dans une interview. Les Chinois n'ont plus rien à attendre. Les Blancs ont les meilleurs emplois et le reste d'entre nous doit travailler pour eux. C'est pourquoi la majorité des jeunes deviennent des punks. La vie à Hong Kong est trop difficile. Les jeunes des banlieues ne peuvent jamais sortir. J'étais un punk et je cherchais la bagarre. Nous utilisions des chaînes et des stylos avec des canifs dissimulés à l'intérieur. De l'enfance à l'adolescence, j'étais un bagarreur rejeté par mes aînés. J'étais extrêmement espiègle, agressif, cruel et j'avais mauvais caractère. C'est à cette époque que Bruce décida de former sa propre bande, appelée les 8 Tigres de Junction Street. Et c'était avec ce groupe qu'il allait chercher la bagarre, mais il ne pouvait pas gagner à tous les coups et se faisait parfois battre. Vers 12 ans, Bruce décida d'apprendre les arts martiaux. Un jour de 1953, le gang de Bruce demanda de l'aide à un certain Chong pour se battre contre une bande rivale. Lee, très impressionné par la démonstration de William Chong, lui demanda s'il pouvait rencontrer son maître. Après quelques refus, il accepta et l'emmena voir le vieil homme qui se prénommait Yip Man. Yip Man a inculqué à Bruce le goût de la philosophie orientale. Le maître a fait en sorte qu'il ne se limite pas à être simplement un lutteur, mais aussi un penseur. Après 5 ans d'entraînement de Wing Chun, Bruce a souffert d'un revers de la part de certains de ses compagnons d'école. Quand, envieux de voir comment il progressait et les dépassait sans difficulté, ils ont décidé d'aller voir Yip Man, en sachant qu'il était un tenace partisan pour garder la tradition de ne pas enseigner aux Occidentaux. Ils se sont plaints du fait que Bruce avait un quart de sang germanique par sa mère. Et par conséquent, comme il n'était pas complètement chinois, il n'avait pas le droit de recevoir son enseignement. Yip Man appréciait énormément les efforts que Bruce avait fait au début, et il a refusé. Mais quand les gens l'ont menacé de laisser l'école et de ne pas s'entraîner avec Bruce, celui-ci a décidé de partir de sa propre volonté pour éviter à Yip Man de devoir l'exclure. Il était allé s'entraîner avec un des principaux élèves de Yip Man, Wong Chonglong, car il avait son propre groupe d'étudiants. L'envie de Bruce pour apprendre était tellement grande qu'une fois juste après la sortie du collège, il a couru à la maison de Wong et au fur et à mesure qu'arrivaient les étudiants, il leur disait que ce jour-là, il n'y avait pas d'entraînement et qu'il pouvait rentrer chez eux. Après ça, il a profité des privilèges d'une classe particulière. Il a aussi commencé à s'entraîner régulièrement les week-ends avec William Chong. Ainsi, Bruce avait perdu le maître, mais avait gagné deux de ses meilleurs élèves comme nouvelle source d'apprentissage. William, succédant à son maître, apprit donc le Wing Chun à Lee jusqu'en 1957. En 1959, Bruce Lee continue à casser des gueules avec son gang. Il est même rentré chez lui avec des yeux noirs et bleus qui furent les signes d'une bagarre intense. Selon son frère, il aurait cassé une dizaine de dents à un de ses ennemis. Il était également menacé de mort par les triades chinoises et ses parents ne pouvaient pas prendre le risque de le laisser dans cette ville. Ils l'envoyèrent donc dans son pays natal, les États-Unis d'Amérique. Mais ça, c'est une autre histoire.